Bonjour à tous. Nous allons un petit peu procéder comme tout à l'heure, avec une série de questions qui vont être posées à nos intervenants et puis après un débat avec la salle. Comme on l'a rappelé dans l'introduction de cette journée, les polémiques récentes ont montré l'hostilité et l'incompréhension de certains à l'égard du genre, mais aussi une véritable curiosité de la part des médias et du public. La nécessité d'une meilleure transmission est apparue évidente. On a déjà posé la question dans les assises précédentes de l'éducation à la santé. De l'éducation à l'égalité. La question aujourd'hui est plus précise. Il s'agit de la diffusion des problématiques de genre. Comment favoriser les passerelles entre la recherche, l'enseignement, entre les enseignements aux différents niveaux, entre recherche et société civile ? Le fait d'employer ces focales multiples, hein, dont le genre, bien entendu, vu mes recherches, est central, hein, offre pour moi une beaucoup plus grande latitude pour qu'un grand nombre entre dans ce processus de relecture, de compréhension différente des œuvres, hein, assez différente, hein, d'une lecture uniquement formelle, hein, ou assez conservatrice ou académique. Ce qui est également important, c'est que les personnes puissent expérimenter elles-mêmes l'analyse. Par exemple, hein, puisque je voulais apporter quelques exemples précis, lors d'un séminaire de master, hein, au programme duquel j'inclus les textes de mon anthologie qui s'appelle « La rébellion du deuxième sexe, l'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines », un étudiant, hein, a montré une image d'une publicité Camel, alors vous retrouverez l'analyse qui en est faite, hein, et il a rendu compte de l'analyse qu'avait faite Abigail Solomon-Godot, qui est une historienne de l'art qui inclut ces questions de genre, et elle a étudié les attributs sexués de cette publicité. Et quand ses camarades quand il a rendu compte, il a montré l'image et qu'il a rendu compte de l'analyse, hein, ils ont bien évidemment éclaté de rire en comprenant effectivement les attributs très masculins et volontairement masculins de cette publicité. Et en même temps, ils ont fait part de leur étonnement, hein, parce que tout d'un coup, hein, la lecture devenait évidente. Hein, il y avait comme une lecture cachée qui tout d'un coup apparaissait, hein, et qui en général est transmise via beaucoup d'images et qui était décryptée. Et donc, je trouve que cette manière, tout d'un coup, de rendre compte de quelque chose, notamment, hein, de tous les stéréotypes sexistes qui traversent et l'histoire de l'art et toutes les représentations, hein, c'est quelque chose à laquelle il n'avait pas forcément réfléchi et qui fait partie de la culture commune. Donc, je trouve que cette idée de dévoiler soudainement un symbole viril, en plus, c'était un garçon qui faisait l'exposé, ce qui avait aussi, il a dit, hein, son propre apprentissage en regardant sous un autre angle cette publicité. Hein, il n'avait pas vu, lui, cette image au départ. Hein. Je pense que c'est un moyen, hein, c'est un exemple qui fait prendre conscience des normes sexuées, hein, qui sont véhiculées dans notre société et dans notre univers visuel. Alors, il y a d'autres types d'exemples que je pourrais donner. Également, je voulais souligner une pratique que j'ai en école d'art qui est assez différente de ce que j'ai pu vivre en université, hein, qui est le fait que l'on se retrouve aussi à discuter face aux productions artistiques, aux travaux en cours des étudiants. Et là, il y a véritablement, hein, en tant que féministe, en tant que personne qui regarde ces questions de genre, il y a vraiment aussi, hein, dans cette élaboration, toute une discussion qui s'enclenche pour ce que moi, je peux ressentir et voir notamment des stéréotypes sexués, hein, soit traités et en tout cas puissent être travaillés et qu'il y ait des consciences, hein, des prises de conscience qui se fassent. Alors on me dit que c'est terminé et je voulais simplement dire pour conclure, un troisième point que je ne développerai pas, hein, que également dans les enseignements que je dispense, hein, il y a toujours une large palette, hein, notamment des représentations sexuées, des masculinités, des féminités et des questions de sexualité, hein, articulées à d'autres choses qui sont développées et qui me paraissent, via en tout cas l'histoire de l'art, être un bon support pour les traiter. Voilà. Merci beaucoup. Nicole. Bien, alors je vais essayer de faire dans les 5 minutes imparties et reprendre les différentes questions qui ont été posées. Donc je reviendrai déjà sur le titre « Diffuser, former, transmettre » que je transformerai bien. Alors diffusion, ça me va très bien parce que
Comme vous l'avez compris, je travaille dans le cinéma, donc c'est ma profession première d'archiviste en audiovisuel. Donc la diffusion, c'est tout à fait ce qu'on fait, c'est-à-dire de faire en sorte que les œuvres circulent. Et je vais revenir sur quel genre d'œuvres nous faisons circuler. Former, alors moi je dirais plutôt qu'on essaie de déformer les gens qu'on voit. On commence dans les collèges, alors au contraire de la personne qui vient de parler. Donc c'est pas l'université, en fait, on intervient à l'université, mais on a d'abord commencé dans les collèges et dans les lycées, donc c'était le public qu'on visait. Et comme on est des vraies déformatrices, maintenant on s'attaque aux classes primaires, en attendant la crèche et la maternité peut-être encore avant. Et quant au terme de transmission ou de transmettre, qui est un terme qu'on a beaucoup entendu quand on a fêté les 40 ans du MLF, et que je trouvais toujours un peu gênant parce qu'il y avait comme une espèce de faute de la part des générations qui n'avaient pas transmis ou mal transmis. On dit toujours qu'il y avait un espèce de creux, en fait, de vide. Je préfère dire aux personnes que oui, on transmet, mais c'est aussi aux autres de s'accaparer et de s'approprier l'histoire, les objets, les différentes choses. Donc on travaille aussi à ça, à dire à tous les jeunes qu'on rencontre et moins jeunes, accaparez-vous de ce qu'on vous montre, des outils qu'on va vous proposer, et vous aussi à votre tour les transmettez-les. Donc c'est un peu le système de on apprend à pêcher un poisson pour, vous connaissez le truc maoïste qui est pas si mauvais pour une fois, au lieu de donner un poisson, on apprend à le pêcher. Voilà, donc c'est un petit peu la... Je rajouterai dans la présentation qui a été faite de qui je suis, que je suis évidemment une militante féministe et aussi des mouvements gays, enfin homosexuels comme on disait à l'époque, où les hommes et les femmes étaient coude à coude pendant un certain temps. Et également, je travaille en prison, vous verrez que ça a de l'importance dans ce que je vais développer. Alors, quant aux outils qu'on utilise, c'est évidemment la base du fond du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, c'est-à-dire ce sont des films qu'on utilise, et des films un peu particuliers, puisqu'il y a beaucoup de films, le fond, en fait, en général, est un fond militant, qui démarre, donc, alors quand je dis des films, c'est plutôt de la vidéo, si on veut être plus précise. Ce sont des films qui démarrent dans le milieu des années 60, c'est à l'apparition de ce qu'on appelait la vidéo légère, qui n'était pas si légère que ça, mais qui en tout cas a permis à des personnes qui n'étaient pas dans le milieu cinéma, qui n'avaient pas d'argent, pas de caméra, de s'emparer de ces caméras-là, et ça va être le fait des féministes, du mouvement noir américain, des palestiniens, donc tout genre de militants qui n'avaient pas accès à des moyens plus importants. Donc les outils qu'on utilise, ce sont ces films, y compris donc ces films militants, mais aussi des films actuels, des publicités. On l'a évoqué, là, évidemment, la publicité, c'est un rêve pour parler des stéréotypes. On utilise aussi des extraits de journaux télévisés, parce que là aussi, même si c'est pas aussi évident, il y a beaucoup de choses à dire sur la présence notamment des femmes, leur attitude, leurs vêtements, etc., toutes les choses qu'on va étudier. Et puis, on utilise aussi comme outil des choses plus simples, comme des quiz, par exemple, sur les droits des femmes, comme des grilles d'analyse qui sont pré-formatées qu'on donne aux élèves. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça, puisque là, dans les 5 minutes, j'ai pas le temps de vous le présenter, sur un site qui s'appelle genreimage.org, qui est un site que nous avons monté. Et donc, par rapport à ce site, pour reparler un petit peu de la genèse de ce site, on l'a créé, en fait, parce que depuis déjà de nombreuses années, donc en fait, moi, ça fait des années que je fais des interventions sur le cinéma généraliste, mais je n'ai jamais pu m'empêcher, évidemment, de mettre mon grain de sel féministe ou gay et lesbien sur les films que je voyais. Donc ça fait très longtemps que, même en parlant de cinéma généraliste, je mettais en lumière, évidemment, les rôles des femmes, des hommes, des gays, des lesbiennes, et ce qu'on n'appelait pas encore le genre à l'époque, mais en tout cas, tous ces stéréotypes. Et donc, ça fait un moment qu'avec mes collègues donc du Centre Simone de Beauvoir, on essayait de trouver des outils. Alors, on allait sur des sites belges, des sites suisses, des sites canadiens, en général, tous les sites francophones, en essayant de s'appuyer donc sur les expériences qui étaient déjà faites. Et un jour, on s'est dit, au lieu de passer notre temps à aller chercher des choses, on va essayer de les rassembler. Et en fait, Genre Image, c'est une immense boîte à outils qui va vous permettre d'aller naviguer sur des sites d'autres pays, donc pour l'instant uniquement francophones, hein. Et qui va vous permettre aussi d'avoir accès à des outils que nous avons créés et développés nous-mêmes, c'est-à-dire donc les familles gris d'analyse dont je parle, des textes, mais aussi des entretiens avec des personnes qui travaillent sur les stéréotypes ou sur le genre. Donc vous avez à la fois des sociologues, mais il peut y avoir des psychanalystes, des gens qui travaillent sur les jeux vidéo aussi, puisqu'on travaille aussi sur les jeux vidéo et de la représentation des hommes et de ces femmes dans ces jeux. Quant au soutien, alors le public visé, vous avez compris que c'était collège-lycée. Il y a un nouveau public maintenant qui intervient, c'est-à-dire que maintenant on fait de la formation de formateurs depuis 2-3 ans. Ça peut être des personnes qui font leur service civique, mais ça peut être aussi des assistants scolaires, ça peut être aussi des infirmières, des enseignants qui nous demandent en fait de leur transmettre ce qu'on a pu apprendre par rapport à notre travail et alors à développer avec eux ces outils.
Les soutiens dont on bénéficie, ben, ils sont très rapides. C'est puisqu'on a posé cette question, donc c'est les soutiens des institutions, c'est la mairie de Paris par le biais de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi la mission cinéma, puisqu'on est quand même cinéma. C'est également la région Île-de-France par le biais de, d'un appel à projet qui nous a permis de créer Genre Image, qui a été très soutenu, enfin je le dis en rigolant, par le Front National, car lors de l'inauguration de ce site en janvier 2010, le Front National a fait un communiqué de presse en s'alarmant de la, justement de la déformation et du fait qu'on voulait sexualiser en fait leurs enfants et les déformer vers des perversions, parce qu'ils avaient vu le terme homosexualité dans notre site. Donc en fait, on a eu une formidable publicité grâce au Front National, je les remercie, parce que ça a fait vraiment beaucoup d'écho dans la presse et on a eu le droit à des articles dans l'Express, le Nouvel Obs, etc. Toutes choses qu'on n'attendait absolument pas. Donc région Île-de-France, ensuite il y a l'accès et puis également le droit des femmes qui nous a toujours soutenus. Et puis après, c'est des soutiens bon, tout à fait individuels. Il me reste combien de minutes ? Terminé. Eh bien, pour les objectifs, on verra plus tard. Merci, Nicole. Eric. D'abord, merci de m'avoir invité, ce qui m'a permis d'entrer dans la salle. Ensuite, sur la question de transmettre, pour ma part, en fait, je vois les choses un peu différemment au fil des années. C'est-à-dire que, alors qu'avant, la question de la transmission, c'était un peu de demander, mais alors, les vieux, est-ce qu'ils ont transmis? Maintenant, c'est plutôt à moi qu'on pose la question. Donc, je suis beaucoup plus indulgent sur ce sujet-là que je ne l'ai été dans le passé. Pour ma part, j'enseigne depuis 1994 en France, après avoir enseigné à l'étranger, et j'ai enseigné tous les ans avec des séminaires qui comprenaient le mot « genre » dans le titre ou dans le sous-titre. Lorsqu'on nous demande, en fait, du côté de la transmission, pour moi, je suis d'abord enseignant, et donc c'est d'abord à travers des cours de divers ordres que c'est passé. Et en particulier, ça se traduit par le fait qu'il y a ensuite des étudiants, qui sont souvent des étudiantes, et qui, parfois, ensuite, deviennent des collègues. Et donc, en fait, la transmission dans le monde universitaire, on la voit d'abord de cette manière-là, me semble-t-il. Ensuite, il y a le fait que quand on est chercheur, on écrit des trucs en espérant que de temps en temps, les collègues vont les lire, ce qui arrive parfois. Il n'est pas toujours facile d'évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'après avoir eu l'impression d'avoir une influence considérable, on retombe un petit peu, en se rendant compte que finalement, non. Mais il y a aussi d'autres formes d'intervention qui peuvent avoir une utilité sociale ou une efficacité. Il y a, entre autres, par l'édition. Il se trouve qu'avec Elsa Dorlin, maintenant, je m'occupe d'une collection sur genre et sexualité aux éditions La Découverte, et qui d'ailleurs est en partie associée à l'Institut Émilie du Châtelet, du moins pour, en gros, un volume par an de traduction. L'un qui est sorti l'an dernier de Carol Pateman, Le contrat sexuel, et l'autre qui sort ce mois-ci de Anne Fosso-Sterling et qui sera accueilli en décembre sur corps en tout genre. Donc voilà, ça c'est aussi, après tout, une des manières d'essayer de faire que des choses existent dans le champ scientifique. Ça passe aussi, bien sûr, par des livres ou aussi, d'ailleurs, par des revues. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait une revue de jeunes chercheuses et chercheurs, genre, sexualité et société, qui soit rattachée en partie à mon laboratoire, l'IRIS. Voilà, c'est des formes de transmission auxquelles j'attache beaucoup d'importance. Et enfin, il y a autre chose qui est le fait d'essayer d'intervenir dans l'espace public, en considérant qu'au fond, c'est un prolongement de la fonction pédagogique. C'est-à-dire que ce qu'on raconte à des étudiantes ou à des étudiants, ce qu'on raconte donc dans le monde universitaire, n'est pas d'une nature très différente de ce qu'on raconte à des gens dont ce n'est pas le métier. Bien sûr, il y a des différences, puisque dans un cas, le but, c'est de s'adresser à des gens qui aspirent à en faire leur métier, et dans d'autres cas, non. Mais au fond, la question, me semble-t-il, est la même, c'est d'essayer de raconter tout ça d'une manière qui soit compréhensible. Alors pourquoi c'est important que ce soit compréhensible? C'est parce qu'il me semble qu'une des spécificités de ce champ d'études, c'est qu'on parle de quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire que tout le monde est dedans. Et je crois qu'il y a peu de gens qui peuvent l'ignorer complètement. Et donc la question, c'est de savoir quel est le rapport entre les savoirs savants et les savoirs des gens.
Et je crois que nous sommes constamment confrontés à cette question-là. On n'est pas en train de parler de quelque chose que les gens découvriraient grâce à nous. La physique des particules, peut-être qu'on ne connaît pas très bien. Mais le genre, il me semble que, d'une manière ou d'une autre, on a appris à vivre avec. Donc ça, c'est une des conditions de possibilité de ce champ d'études qui en fait parfois la complexité, mais qui aussi, à mes yeux, en fait l'intérêt. Ça a une conséquence aussi, c'est le rapport aux politiques, c'est-à-dire que, comme vous le savez, dans le monde scientifique, on aime bien opposer le savant aux politiques, et s'il y a un champ d'études où il est particulièrement paradoxal d'essayer de faire ça, c'est les études sur le genre et la sexualité, etc. Et je crois que c'est intéressant parce que ce qui peut être perçu comme un stigmate, c'est-à-dire qu'on peut reprocher à ces études d'être des études féministes, et donc de n'être pas assez savante parce qu'elles seraient trop politiques, en fait, ça peut se retourner. Et pour ma part, en tout cas, je revendique beaucoup, j'essaie de le dire le plus possible, que c'est une manière d'interroger plus généralement, comme le fait le féminisme à partir des questions sur le point de vue et sur les perspectives, et sur, etc., bon, d'un savoir situé. Eh bien, il me semble que c'est une des manières d'interroger plus généralement le travail scientifique et les prétentions importantes dans le monde des sciences sociales à la neutralité axiologique qui me paraissent une entreprise de neutralisation. Et comme vous le savez, le neutre, évidemment, ça a à voir avec le genre. Donc ça, c'est pour un élément qui me paraît vraiment essentiel dans les études de genre, c'est que ça a des rapports avec la société et que ça a des rapports avec la politique. On le sait bien, mais en tout cas, ça n'est pas le cas dans tous les domaines scientifiques. Je termine d'un mot parce que j'ai fini. Je vois le mot terminé, donc je ne sais pas si c'est termine ou terminé. Mais en tout cas, un des intérêts, me semble-t-il, de ce champ d'étude, c'est qu'on est, précisément parce qu'on est dans le monde, on est dans quelque chose de mouvant. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai l'impression que ce champ n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 20 ans. Et en particulier, il y a des thématiques qui étaient considérées comme extérieures à ce champ, qui par ailleurs m'intéressaient, c'est-à-dire en particulier ce qu'on peut appeler les questions raciales. Eh bien, il y a une vingtaine d'années, on pouvait s'intéresser aux questions de genre et de sexualité sans les inclure du tout. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça a changé, ça a bougé. Et ça me paraît une bonne chose, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui serait clos, mais de quelque chose qui est en mouvement. Merci beaucoup, Cécile. Donc, en tant que professeur de SVT, je peux vous faire part de mon expérience dans trois cadres différents. Je vais rester attachée à mes notes, comme ça je vais essayer de ne pas dépasser le temps imparti. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter succinctement le programme de SVT en vigueur depuis septembre 2011 et qui demande de traiter le thème féminin-masculin. Donc, je cite, « On saisira l'occasion d'affirmer que si l'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. Cette distinction conduit à porter l'attention sur les phénomènes biologiques concernés et dans les connaissances à développer dans cette première partie qui s'appelle « Devenir homme ou femme ». On attend qu'on développe donc les phénotypes masculins et féminins qui se distinguent par des différences anatomiques, physiologiques et chromosomiques, notamment. Donc, dans le cadre des cours, si la définition du sexe biologique est simple, ce n'est pas le cas au niveau de la réalité biologique. Dans le cadre des cours, étudier des cas singuliers, comme les hommes à utérus, les élèves sont particulièrement friands des exercices portant sur les hommes à utérus, ou le fait qu'il puisse exister des cas d'ambiguïté au niveau de la mise en place des organes génitaux externes, et donc des sujets qui sont intersexués, permet de comprendre comment se met en place le sexe biologique et de prendre conscience qu'il y a une « norme » entre guillemets qui correspond à une majorité d'individus, mais qu'il y a aussi des cas particuliers qui permettent alors d'interroger sur « qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ?» et de voir que ce n'est pas binaire, tout noir, tout blanc, mais qu'il y a des nuances. Donc voici dans un premier temps deux situations que j'ai menées dans une de mes classes de première S l'an passé. Avant de commencer donc cette partie du programme, j'ai voulu interpeller les élèves et partir de leurs acquis sur le plan des connaissances donc en sciences de la vie et de la Terre, SVT, et de leur représentation. J'ai posé dans un premier temps la question « qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ?» Certains étaient surpris et voulaient savoir s'ils devaient répondre que sur le plan biologique, physique. Et alors j'ai précisé qu'ils pouvaient mettre tout ce qu'ils voulaient. Les élèves devaient répondre par écrit, donc j'ai récupéré leurs réponses, et j'ai obtenu des réponses très caricaturales et stéréotypées, vous pouvez imaginer, dignes de Mars et Vénus, mais aussi, à l'opposé, d'autres très réfléchies.
Un homme, c'est un être humain ayant, pour la plupart du temps, des organes génitaux masculins physiquement, et une femme est un être humain ayant des organes génitaux de type féminin physiquement. Psychologiquement, on est homme lorsque on se sent être un homme, et on est une femme quand on se sent être une femme. Je dois dire qu'à 16 ans, bon, c'était en 2011, je trouvais ça pas mal, mais je me demande comment, à leur âge, il y a 20 ans auparavant, j'aurais répondu à la question. Parce que je pense qu'il y a une question de temps aussi pour mûrir ça, enfin, des générations. Puis j'ai posé une seconde question, comment devient-on homme ou femme? Également des réponses très différentes allant de « on devient homme ou femme à la naissance, c'est comme ça, puis petit à petit on devient un peu plus homme ou un peu plus femme en fonction de ce qu'on était au départ. » Donc cette petite graine qui pousse, et voilà. Et d'autres, beaucoup plus fines, « on devient homme ou femme soit pendant la grossesse, soit par des opérations, soit par simple conviction. » Pareil, j'étais très agréablement surprise. J'ai repris quelques réponses très différentes au niveau de leur contenu au début du cours suivant, et ce fut l'occasion, avant d'aborder donc l'aspect plus biologique, c'est-à-dire la mise en place du sexe génétique, phénotypique, etc., d'avoir un échange sur le genre, enfin le sexe social, mais sans le nommer, puisque le programme n'emploie pas ce terme-là. Par ailleurs, lors d'une séance d'accompagnement personnalisé, j'ai eu l'occasion de les faire travailler sur l'orientation. Une des séances fut l'occasion d'aborder les idées reçues conduisant les filles à s'auto-censurer par rapport aux filières scientifiques. J'ai utilisé comme support une vidéo d'un entretien d'une demi-heure entre Catherine Vidal et Françoise Héritier, et les élèves devaient relever des arguments venant des deux chercheurs, chercheuses en faveur de l'égalité homme-femme sur le plan cognitif et des capacités de raisonnement, ainsi que le rôle de la culture et de l'éducation dans la construction de discriminations sexistes. Puis ils devaient utiliser ces arguments pour écrire une lettre s'adressant, enfin une élève fictive de seconde, hésitant entre une filière scientifique et une filière littéraire, pensant qu'elle ne pourrait pas réussir dans une filière scientifique car c'est plus fait pour les garçons et que ça dépouche sur des métiers masculins. Autre expérience dans un autre cadre, via la mission égalité filles-garçons et lutte contre l'homophobie, à l'automne dernier, était proposé un stage dans le cadre du plan académique de formation, donc c'est la formation continue qui est proposée au personnel de l'éducation nationale, stage auquel des collègues de toutes disciplines, ainsi que des infirmières et des conseillers principaux, peuvent s'inscrire. Le thème de cette formation était égalité filles-garçons et mixité, comment vivre ensemble, et je suis intervenue donc une matinée sur le thème sexe, genre et éducation, et ce fut l'occasion d'évoquer la polémique sur le genre, que je développe pas parce que j'ai pas le temps maintenant, mais plus tard, qui était encore très fraîche dans les esprits. Et enfin, donc, un troisième cadre, la notion de genre a été abordée dans le groupe éducation à la sexualité. Ce groupe comprend quatre professeurs de SVT, un inspecteur de SVT et l'infirmière conseillère technique auprès du recteur. Nous nous réunissons 3 à 4 fois par an depuis 2 ans et communiquons aux collègues professeurs de SVT et infirmières de l'Académie par le biais de lettres d'information dans lesquelles nous proposons un point sur l'actualité, les partenaires et les ressources pédagogiques, ainsi que des outils de réflexion. On propose des ouvrages, des sites, des brochures. À la rentrée l'an passé, il nous a semblé indispensable de faire une mise au point sur le nouveau programme et sur la fameuse polémique. Et nous avons donc fait une lettre d'information spécialement autour de cette thématique. Par ailleurs, au printemps dernier, dans le but d'approfondir la réflexion sur le sujet, nous avons convié au CRDP de Champigny, un mercredi après-midi, Catherine Vidal et Michel Rios-Sarcé pour 2 conférences proposées à un public de professeurs de SVT, des infirmières, mais aussi ouvertes à des professeurs d'histoire-géographie. Catherine Vidal intervenue sur « Le cerveau a-t-il un sexe ?» et Michel Rios-Sarcé sur le genre en question. Merci beaucoup. Nous allons donc continuer avec la deuxième question. Évidemment, vous verrez qu'il y a un déroulement assez logique entre les questions. Comment ont été reçues ces expériences de transmission, de formation et de diffusion? Quelle résistance avez-vous affrontée? Quels sont les principaux éléments de blocage et d'incompréhension ou d'incompréhension? En d'autres mots, quelles sont les résistances rencontrées? Je cède la parole à Nicole. Bien. Alors, les expériences de transmission, donc de formation et de diffusion, peut-être il faut préciser, parce que je crois que ce n'est pas forcément très clair. On a compris que tu pouvais intervenir parce que tu étais enseignante. En fait, nous, on rentre dans les lycées, je le précise parce que je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, on rentre dans les lycées et les collèges parce, soit par le biais des conseillers généraux, soit par des enseignants qui font appel à nous directement, et cela sans aucun problème. Donc, quand on parle de résistance, on n'en a pas vraiment connu. Et maintenant, on a même obtenu, mais on voit qu'il y a eu un changement aussi, certainement le changement de gouvernement et le changement des mentalités l'ont favorisé. Ça fait des années qu'on demande un agrément à l'éducation nationale, qu'on vient enfin d'obtenir il y a peut-être 2-3 mois, enfin juste avant les grandes vacances, les vacances d'été.
Donc cet agrément permet justement maintenant de pouvoir entrer encore plus librement dans le lycée, mais on n'a jamais connu de résistance, ça je tiens à le dire. De la même façon, tout à l'heure, j'ai évoqué par rapport à ces expériences de formation, l'expérience en prison. Et là, c'est assez particulier puisqu'on nous a demandé de faire aussi des formations sur les stéréotypes sexuels avec des jeunes détenus. Alors quand en France, on parle de jeunes détenus, on parle de garçons. Parce que les jeunes détenues filles n'existent pas, enfin elles existent, mais elles sont mélangées aux adultes, donc elles n'ont pas d'activité spécifique. Donc on est intervenu auprès de jeunes garçons, donc c'est des mineurs. Et là, c'est pareil, on nous a même pas demandé sur quel film on travaillait, on était tout à fait libre de nos choix, on n'a même pas demandé le déroulé de l'atelier qui a duré 5 jours. Et donc on a pu tout à fait intervenir avec l'aval de l'administration pénitentiaire. Et donc là, c'est un milieu, quand je parlais de ce milieu, il est particulier parce que c'est un milieu non mixte, parce que je tiens à préciser qu'on intervient toujours dans la mixité, bien qu'on ait eu des demandes de collège, par exemple l'an dernier à Marseille. On m'a demandé si je voulais bien intervenir avec les filles d'abord, avec les garçons après. Et en accord avec mes collègues, on a dit non. On a dit on intervient en groupe, en fait, avec tout le monde. Après, si vous voulez faire des sous-groupes avec, je sais pas, l'infirmière du collège ou d'autres enseignants, on peut le faire. Mais c'est toujours mixte. Et je rebondirai sur ce qu'a dit Anne Le Gall tout à l'heure, justement, par rapport à l'éducation des garçons. Toutes les analyses que nous faisons, évidemment, portent sur les représentations des hommes et des femmes, et des femmes et des hommes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de leur montrer simplement la femme bonne mère, ménagère, etc. C'est aussi les tablettes de chocolat pour les garçons, la force, toutes les publicités sur le rasage, enfin les voitures, vous les connaissez aussi bien que moi, donc il y a de quoi faire. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas vraiment de résistance, parce que comme le faisait remarquer Eric Fassin, c'est un sujet que tout le monde connaît. Je veux dire, on peut aller dans un café et discuter avec des gens de genre, tout le monde comprend tout de suite si on donne quelques exemples de quoi on parle, et ça fait parler très très facilement. Les incompréhensions, elles sont souvent liées, pour revenir à une des questions qui a été posée, à la terminologie. C'est vrai qu'il y a un empilement de terminologie, on l'a rappelé, et ça court depuis une trentaine d'années, entre les stéréotypes, la discrimination sexiste, le sexisme, l'homophobie, le genre, le gender, pourquoi est-ce qu'il y a le mot anglais, pourquoi est-ce qu'il y a le mot français. Donc là, on fait un travail aussi très... pédagogie qui peut avoir l'air comme ça ennuyeux, mais qui marche bien aussi avec les élèves, c'est qu'on prend des dictionnaires souvent ou des exemples et on étudie les définitions, en fait, tout bêtement. Et on essaie de croiser, on a pas mal de surprises parce qu'évidemment, suivant les dictionnaires et les livres, les choses sont quelquefois encore moins claires une fois qu'on a étudié toutes les définitions. Mais en tout cas, ça fait parler de ce que ça représente. Et c'est vrai qu'il y a une évolution dans le vocabulaire. Cette évolution, elle se voit aussi... dans la façon dont les mots sont perçus, quand on parle de personnages, par exemple, homosexuels, dans le cinéma, dans une publicité, on n'a pas, comme il y a 20 ans, des ricanements ou des gens qui regardent leurs chaussures. On peut en parler, on peut l'évoquer. Il y a pas, si on parle de mère lesbienne, par exemple, c'est pareil, on peut en parler sans que ce soit un motif donc d'incompréhension, même de fermeture, souvent, des élèves. Quant aux résistances de la part... Alors, la plus grande résistance, vous savez d'où elle vient, mais je pense que... Je ne vais pas vous l'apprendre, puisqu'on est dans un monde capitaliste, elle vient de l'argent. C'est-à-dire que pour faire tout ça, toutes ces expérimentations et tous ces ateliers, que tout le monde trouve formidables par ailleurs, surtout quand on les fait en prison, c'est tellement bien, mais il n'y a jamais de moyens financiers mis suffisamment, enfin une hauteur suffisante en tout cas, pour permettre justement que ces expérimentations, par exemple ce qu'on fait en primaire depuis le mois de juin, c'était des expériences, on l'a fait en fait gratuitement, parce qu'on voulait expérimenter certains modules auprès d'enfants plus jeunes. Mais en général, le sentiment de devoir a mauvaise réputation pour ça, on refuse toutes les interventions gratuites. C'est-à-dire qu'on dit aux profs, débrouillez-vous, il y a la mairie, il y a la caisse scolaire, enfin. Et par miracle, ils arrivent toujours à trouver de l'argent. Mais évidemment, ça ne représente pas ce que représente le travail. Donc de ce côté-là, je crois que le grand frein, c'est l'argent public, l'argent des régions, l'argent des mairies, qui n'est pas assez débloqué pour ce genre d'action. Même si j'ai cité tout à l'heure la région Île-de-France, la mairie et le droit des femmes qui nous soutiennent, mais c'est pas suffisant. Alors, est-ce que le public est séduit par ces ateliers? Je pense que oui, puisque maintenant, on a même des demandes d'entreprises du CAC 40, ce qui nous est jamais arrivé. Donc là, il y aura peut-être un peu plus d'argent. Vous savez que dans les entreprises, il existe ce qu'on appelle le Family Day, parce que bon, ou le jour de la famille, si on veut parler français. Et ce Family Day donc, permet à des salariés de faire venir les enfants, alors c'est les relations humaines qui s'occupent de ça, de faire venir les enfants dans l'entreprise et de faire un certain nombre d'animations, soit sur les métiers. Et nous, on nous a demandé de faire justement une animation, enfin, j'aime pas trop le terme,
sur les stéréotypes sexués. Donc on s'est empressé, évidemment, comme vous l'imaginez, de dire oui, parce que c'est toujours amusant de rentrer dans les entreprises par ce biais-là et de voir comment ça va se passer. Et on est aussi en contact avec ce qu'on appelle les réseaux femmes des grandes entreprises. C'est ces réseaux femmes qui essaient de faire pression, justement, par rapport au plafond de verre qui est évoqué à plusieurs reprises ici. Et donc, là aussi, on va leur donner des outils pour analyser soit les propres pubs de leur boîte. Par exemple, on a EDF dans ces entreprises. Vous connaissez leurs pubs et les hommes relient les hommes, par exemple. Bon. Il me semble que les femmes se servent aussi des ampoules d'électricité, mais bon. Maintenant, ils ont un petit peu changé parce que dans leur publicité, ils mettent un homme et une femme à chaque fois, systématiquement. Mais quand même, la femme est plus petite, plus frêle. Bon. Oui, terminé. Merci beaucoup. Eric. Pour ce qui est des résistances, une première chose peut-être, pour ce qui me concerne, c'est qu'on pourrait imaginer que le fait d'être dans une position majoritaire pour travailler sur des questions minoritaires, et par exemple sur les rapports hommes-femmes, mais sur l'ensemble des rapports majorité-minorité, on pourrait imaginer que c'est un obstacle. Je tiens à témoigner que pas particulièrement, et que c'est même, comme d'habitude, plutôt un avantage. Autrement dit, même sur les questions minoritaires, il vaut mieux être majoritaire. Voilà, on pourrait préciser, etc., mais je tiens à le dire parce que, voilà, au cas où vous inquiéteriez. Mais en revanche, donc ça veut dire qu'il peut m'arriver, par exemple, de me faire taper dessus dans le monde féministe, mais je ne suis pas sûr que je me fasse taper dessus plus que si j'étais autre chose que ce que je suis. Je veux dire, parce que le monde féministe n'est pas toujours entièrement pacifié. Il me semble que finalement, il est difficile d'imputer à des propriétés de sexe l'hostilité que je suscite parfois. En revanche, l'hostilité qu'on peut susciter quand on parle de genre, elle est grande et elle est réelle du côté des gens qui n'aiment pas le féminisme. C'est quand même ça le problème majeur. Donc, dans mon expérience, là, ça va très bien, l'hostilité. Et par exemple, dans mon expérience professionnelle d'enseigner sur ces questions depuis une vingtaine d'années, d'abord, il y a les ricanements. Ensuite, quand on prend quelques années, il y a une forme de tolérance. Et pour peu que ces sujets deviennent un peu plus à la mode et un peu plus dans l'air du temps, etc., à ce moment-là, il y a plutôt de l'agacement et de l'irritation. Donc, tout cela n'étant pas entièrement bienveillant. En revanche, là où on voit que, et ça me paraît intéressant à réfléchir par rapport aux possibilités de faire changer les choses, c'est pas du tout la même chose du côté des étudiants. Là, je parlais des collègues. L'hostilité qu'on peut rencontrer ou les réticences du côté des collègues, elle n'a pas d'équivalent du côté des étudiants. Une des raisons toutes simples, c'est pas simplement que les jeunes sont plus sympas, mais c'est aussi que, en fait, on n'est pas en concurrence. Donc il me semble que ça, c'est un des enjeux majeurs, c'est que c'est des rapports de pouvoir. Et donc il faut les penser comme tels, et en ce sens-là, c'est plutôt bien. Quand on se fait taper dessus, ça veut dire qu'on dérange. Un autre point que je voudrais ajouter, du point de vue des institutions, moi je suis assez frappé que d'un côté, nous sommes à un moment, en France, où on a l'impression que le genre est tendance, pour dire vite. D'un autre côté, c'est pas si simple. Et en particulier, je pense que les institutions majoritaires, j'ai enseigné à l'École normale supérieure, j'ai travaillé avec l'École des hautes études, ou bien dans des échanges avec Sciences Po, qui apparemment semble être à l'avant-garde, eh bien, moi, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de recrutement dans ce champ d'études. C'est-à-dire, à l'école normale, personne. À l'École des hautes études, il y a des gens, mais ils ne sont pas à l'École des hautes études, ou bien en tout cas, l'École des hautes études n'a pas recruté dans ce domaine depuis très longtemps. Et Sciences Po, par exemple, avait proposé un poste qui s'appelait genre, travail, famille, a recruté des gens qui ne travaillaient pas sur le genre, qui n'ont pas pris le poste. Et ensuite, ils ont remis au concours et en supprimant le mot genre de l'énoncé. Donc ça dit quelque chose pour une institution dont la visibilité autour des questions de genre a été considérable. Je crois que les institutions centrales ne sont pas celles qui investissent le plus dans les questions minoritaires. Ça n'est pas totalement surprenant. Mais je crois qu'il est utile de l'énoncer parce que sinon il peut y avoir des effets dans la mise en scène collective qui peuvent être trompeuses. Alors les résistances, il y en a donc dans le monde universitaire, mais il y en a aussi dans l'espace public plus généralement, dans le monde politique, etc. Mais je voudrais prendre un exemple qui est celui des médias. Moi je suis très frappé de remarquer que d'un côté on pourrait imaginer que les médias ont un intérêt a priori à parler de genre. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire que c'est un champ d'études nouveau. Et les médias aiment bien ce qui est nouveau. Donc, a priori, il y a un intérêt très fort. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il était très intéressant de parler de nouveau, mais du coup, maintenant, on nous dit le genre, c'est vieux.
Et c'est assez remarquable parce que, au fond, on s'aperçoit que ça, il y a eu un moment où c'était ringard parce que ça n'existait pas, et ensuite il y a eu un moment où c'était ringard parce que ça existait. Et je pense que, en gros, il y a eu un créneau d'à peu près un quart d'heure qu'il ne fallait pas rater. Et on l'a vu, par exemple, moi j'ai été très frappé de l'attention médiatique qui a été portée à quelques ouvrages qui attaquaient le genre. Par exemple, Nancy Houston ou Sylvia Nagasinski qui écrivent contre le genre en disant « il y en a marre de l'hégémonie du genre ». Celles et ceux d'entre nous qui sont dans ce domaine n'avaient pas encore eu le temps de jouir de cette hégémonie. Et pourtant, voilà, c'était, et ça, on y a prêté beaucoup d'attention. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du livre de Anne Fosse-Sterling qui va sortir. Les médias disent « oui, oui, bah, on ne va pas tout le temps parler de genre ». Donc les mêmes qui avaient donné la parole aux critiques du genre ne donnent pas, etc. Donc là, il se pourrait que la règle qui veut que les médias s'intéressent au nouveau ne soit pas la seule règle et qu'interviennent d'autres logiques qui sont des logiques de résistance générale face à des propos critiques. Et c'est là, pour terminer, c'est là que, me semble-t-il, il est important de savoir que, en gros, le fait qu'il y ait des résistances, c'est bon signe. Il est souhaitable que les gens n'aiment pas ce que nous racontons. Parce que si tout le monde aime bien ce qu'on raconte, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on ne dit rien que de banal, de partagé, etc. Donc je crois que les résistances ne doivent pas être prises comme un problème, mais comme un signe de bonne santé pour les études de genre. Et je pense que le danger serait beaucoup plus que ça plaise à tout le monde. Et lorsque le féminisme ça plaît à tout le monde, comme vous le savez, ça sent pas bon. Donc je crois qu'il est important de se dire que les résistances sont notre plus grande force. Merci. Cécile. Je vais reprendre les cadres dont des expériences dont je vous ai fait part tout à l'heure. Donc, dans le cadre du travail en classe, pas de retour particulier ni de résistance, tout du moins verbalisé. J'aimerais pourtant savoir comment ils ont accueilli le fait d'être questionnés sur ce thème et aussi savoir comment ces modestes pistes ont éventuellement pu les amener à poursuivre la réflexion, mais je n'ai pas la moindre idée, donc je ne peux pas vous en dire plus. Pour la séance sur l'orientation, je me suis sentie obligée de légitimer le choix du thème de la séance en précisant que je dépassais peut-être le cadre de la discipline, mais que tout enseignant est invité, dans le cadre d'une circulaire provenant du ministre de l'Éducation nationale, du ministère, à sensibiliser les élèves à l'égalité filles-garçons et que notre rôle éducatif n'était donc pas strictement limité à notre discipline. Cette séance a été expérimentée avec trois groupes différents, constitués d'élèves de la classe que j'avais en responsabilité, mais également de l'autre classe de première S, et il n'y avait pas d'évaluation à la clé. J'aurais pu avoir un investissement léger, mais j'ai été agréablement surprise de la qualité des productions des élèves, me prouvant qu'ils avaient visionné la vidéo avec intérêt et que le sujet semblait les intéresser. Après, est-ce que ça a été l'occasion d'un échange entre eux ou dans leur famille ? Pareil, j'en ai pas la moindre idée. Dans le cadre des actions menées par le groupe Éducation à sexualité, quelques retours de collègues avec lesquels nous avons échangé suite à l'après-midi de conférence semblaient plutôt satisfaits. Concernant les lettres sur l'éducation à sexualité qui sont mises en ligne sur le site académique donc de Créteil, sur le site propre à notre discipline, SVT, elles ont été consultées, il y en a trois, entre 700 et 1200 fois, donc bon. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient reçu un mail comme quoi l'inspecteur donc proposait de consulter cette lettre et donc les gens regardaient par curiosité ou par un réel intérêt ? Je n'en sais rien. En tous les cas, une anecdote par rapport à notre lettre sur le genre. Cette lettre s'intitulait initialement « Numéro spécial le genre » et elle n'a pas reçu l'agrément institutionnel pour être diffusée en novembre, sans refus explicite pour autant, et une version modifiée sans titre accrocheur a pu être diffusée en février de cette année. Comment, après, le programme a pu être accueilli ? Qu'est-ce qui a pu gêner pour certains collègues de SVT ? Pareil, j'ai pas un échantillon de collègues de SVT important, mais ce qui a pu surprendre, peut-être, c'était le fait que le programme change. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'an passé, on traitait un thème qui s'appelait procréation, qui incluait la mise en place du sexe biologique, la puberté, le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin et masculin, la contraception, l'IVG, l'aide médicalisée à la procréation, et on s'en arrêtait là. L'approche de la sexualité était donc abordée au travers de la reproduction, et donc très hétérocentrée.
Avec les nouveaux programmes, ces thèmes sont toujours présents, mais en s'intitulant féminin-masculin, l'introduction du thème demande d'évoquer la notion donc, d'identité sexuelle ou genre et l'orientation sexuelle. Et les parties à traiter sont donc devenir homme ou femme, comme je vous l'avais dit précédemment, mais aussi donc sexualité et procréation et les bases biologiques du plaisir. Si le programme donc indique en titre d'une partie devenir homme ou femme avec les explications sur la mise en place du sexe biologique mais aussi au niveau de l'identité sexuelle ou sexe social, cela fait écho alors à Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient et qu'on pourrait décliner on ne naît pas homme, on le devient. Cela pose alors la question de l'inné et de l'acquis, du naturel et du culturel et pour certains il s'agit alors plus d'une question qui touche les sens sociaux et la philosophie. Cela explique peut-être la frilosité à employer le terme genre dans le programme des SVT, car employer ce terme dans une discipline scientifique serait alors une justification scientifique du genre. Et certains collègues peuvent être frileux pour développer cette thématique, puisque ça n'est pas scientifiquement prouvé, ça ne doit pas paraître dans une discipline scientifique. Je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup. Fabienne. Alors, dans mon champ, ça rejoint certaines choses qui viennent d'être dites. Je crois que les principales résistances, elles proviennent d'un manque de connaissances et d'un a priori qui veut que, la question du genre n'apporte absolument rien à l'histoire de l'art et ne soit pas utile pour comprendre des œuvres et n'est pas d'utilité pour la discipline. Donc ça, c'est une des réactions qu'on peut trouver. Ensuite, il y a une seconde qui touche aussi à ces champs-là, c'est le fait qu'il y ait des dissensions propres aux questions donc féministes, de genre, queer, qui ne sont pas du tout claires. Il y a des dissensions au sein de ces champs. Et du coup, il y a aussi ces polémiques, notamment au sujet des sexualités, de la prostitution ou de la pornographie. Ça peut rebuter. Donc l'impression aussi qu'il faut clarifier les enjeux, dire les complexités, dire l'évolution au cours du temps, mais que ça fait partie des résistances. L'idée que l'approche n'est pas simple, soit elle est inutile pour certains, soit elle n'est pas simple pour les personnes qui peuvent s'y intéresser. Donc ça, c'était l'idée, en tout cas, de l'anthologie que j'ai menée, c'était de répondre, de nourrir la réflexion par des textes, des traductions de textes clés pour donner un accès plus facile à ces questionnements dans mon champ. En second, les résistances, alors c'est ce dont Éric Fassin parlait également, proviennent pour moi du monde universitaire français. Sur ces questions en France, en tout cas en histoire de l'art, il n'y a aucun professeur qui soit habilité à diriger des recherches sur les questions, que ce soit féministes, de genre ou queer, ça n'existe pas. Donc là, il y a vraiment un blocage, même si les protagonistes du champ le nient. Malgré tout, l'institution bloque ces thématiques. Je pense que ça provient d'une peur de la dévalorisation de la discipline. C'était déjà évident pour des champs qui sont plus ouverts tels que la sociologie ou l'histoire. En histoire de l'art, on est encore dans une remise en cause de la discipline quand on aborde ces champs-là. Donc il y a l'idée qu'on va sexuer la discipline, qu'on va la féminiser, qu'on va finalement la dévaloriser. Donc ça, et puis l'idée par contre que c'est totalement en disjonction par rapport aux demandes et aux préoccupations des étudiants et des étudiantes, que ce soit en histoire de l'art ou dans les écoles d'art, qui eux ou elles ne sont pas du tout dans cette position-là et sont tout à fait intéressés quand on leur parle de ces sujets. Donc autre point par contre qui vient contrer peut-être ces blocages, l'impression que l'apprentissage de la discussion dont je fais l'expérience en école d'art en ce moment, il y a systématiquement, et c'est vraiment partie prenante de la pédagogie, cet apprentissage de la discussion, il me semble que face à des étudiants et des étudiantes qui portent ces questionnements, ou en tout cas sur lesquels on peut les faire réagir, il y a une forme de, je trouve, enfin en tout cas ça dépend des équipes, en tout cas dans mon école, il y a des écoles où il se passe vraiment des choses par contre assez virulentes, sexiste. Dans mon école, ce n'est pas le cas. Je pense que quand il y a une forme d'honnêteté face à ça, il peut y avoir des discussions et donc des ouvertures, même si, bien entendu, je pense que tout reste
à travailler. Et puis, dernier point, alors là, c'est à nouveau une résistance. Hein. Je pense que la résistance provient du milieu culturel, hein, puisque l'histoire de l'art, ça traite d'œuvres, et ces œuvres sont exposées, sont montrées, elles sont faites pour que ces représentations soient diffusées. Et là, il me semble encore qu'il y a des progrès à faire. Nous avons, par exemple, eu une exposition, elle, à Centre Pompidou, hein, qui s'attachait à la présentation d'artistes femmes. Et cette exposition a ouvert des portes, a permis de montrer des travaux de femmes, ce qui était rarement fait dans cette ampleur-là. Et en même temps, ça nous ancre dans une problématique qui, pour moi, reste une problématique des années 70, qui est, on va montrer que des artistes femmes travaillent dans tous les champs de l'histoire de l'art, alors qu'on est quand même dans des problématiques aussi de masculinité, aussi de féminité et comment ça se construit, de sexualité, de toute la palette des sexualités qui existent. Et ça, malheureusement, ça n'avait pas du tout été pris en compte. Donc, je pense que là, c'est quand même symbolique d'une forme de résistance à l'ouverture de toutes les questions hein, qui sont travaillées aujourd'hui dans des champs très contemporains, et les institutions sont très en retard hein, face à ces questionnements, même si hein, on ne peut pas dire que ce n'est pas une exposition qui a été importante, puisqu'elle a montré des travaux. Donc ça, c'est intéressant, mais en tout cas, l'ensemble du savoir sur le sujet qui existe aujourd'hui n'a pas été pris en compte à ce moment-là. Et donc, c'est institutions, hein, que ce soit l'université, que ce soit ensuite le milieu culturel, hein, opèrent par ce biais-là hein, une forme de résistance, puisqu'il y a possibilité hein, de travailler autrement, de montrer d'autres choses, de faire circuler d'autres types de représentations et de savoirs via les expositions et bien entendu qui passent à, ensuite, qui sont réinterrogées et discutées via les médias. Hein, et donc, il me semble que les représentations les plus novatrices hein, rencontrent une forme de d'empêchement hein, à être diffusée. Merci beaucoup. Nous abordons donc la troisième question. Quelles seraient pour vous les conditions d'une meilleure transmission, les expériences que vous souhaiteriez mener, les supports les plus adéquats, les publics pardon, que vous souhaiteriez viser, les recommandations plus générales que vous pourriez faire. Est-ce que la notion de genre vous semble toujours subversive, l'est-elle? Voilà, recommandations et projets. Nous allons démarrer par Cécile. Donc, est-ce que la notion de genre est toujours subversive? Visiblement, oui. Donc, je vous développe très succinctement la polémique. Le terme genre donc, n'est pas employé dans le programme de SVT, mais dans les ouvrages scolaires qui ont été donc construits pour la mise en œuvre du nouveau programme en série L, E, S et S. Et ces ouvrages donc ont fortement déplu à certaines personnes et il y a eu notamment une lettre ouverte de Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate fin mai 2011, puis des prises de position de députés UMP de la droite populaire fin août 2011, et 80 donc, députés UMP ont demandé au ministre de l'Éducation nationale de retirer les manuels scolaires de SVT. Alors, en effet, si le genre est indépendant donc, du sexe biologique, alors l'orientation sexuelle le devient aussi, et forcément, le genre et l'orientation sexuelle se déconnectent tout autant. Et ce qui gênait le plus, finalement, c'était la polémique induite. Car pour certains, reconnaître le genre, c'est ouvrir la porte à la reconnaissance sociale de l'homosexualité. À lire les réactions dans la presse, c'est d'ailleurs le point le plus important pour certains auteurs. Leur bataille contre la théorie du genre était animée par la hantise de cette forme de sexualité, à savoir donc l'homosexualité. Et c'est le sens donc de l'appel des députés français de droite donc, qui ont écrit dans une lettre, je cite, « Selon cette théorie, les personnes ne sont plus définies comme hommes et femmes, mais comme pratiquant de certaines formes de sexualité, homosexuelles, hétérosexuelles, bisexuelles, transsexuelles. Ces manuels imposent donc une théorie philosophique et sociologique qui n'est pas scientifique et qui affirme que l'identité sexuelle est une construction culturelle relative au contexte du sujet. On voit bien là que ce qui crée le problème, c'est plus le rôle social sexuel des individus, mais en fait le problème c'est la sexualité. Et donc, la sexualité est un problème politique. Et il y a un an, dans un contexte de pré-campagne électorale, enfin, qui était déjà largement entamé, la droite n'avait sûrement pas envie que s'invite
comme aujourd'hui le débat actuel donc sur le mariage des homosexuels, l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe et la procréation médicalement assistée. Donc finalement, le programme des étés n'était qu'un prétexte. Alors, deuxième point que je développe, c'est comment permettre une meilleure transmission. Le programme incite à faire le pont avec la philosophie, mais c'est pas très, enfin, c'est normal, mais ce n'est pas très logique, puisqu'en fait, en première, ils ne font pas encore de philosophie. C'est enseigné en terminale, et ça pouvait être abordé avant dans le thème nature et culture, mais il s'appelle plus nature et culture, il s'appelle culture, mais enfin bon, c'est un peu, excusez-moi pour le prof de philosophie, enfin c'est un peu fourre-tout, on peut mettre ce qu'on veut, et on peut développer si on en a envie, ou ne pas développer, selon sa sensibilité, donc ça dépend aussi des enseignants. Donc ça peut éventuellement être développé en philosophie en terminale. Pour une meilleure transmission, donc, il faudrait, je pense, davantage décloisonner et favoriser une approche interdisciplinaire, transversale, et cela dès que c'est possible. Et le programme en première ES, donc la série économique et sociale en SVT, est le même à epsilon près que le programme de SVT en première S. Et par ailleurs, le programme de sciences économiques et sociales propose de traiter les processus de socialisation, la construction des identités sociales, avec un premier point sur la question « Comment la socialisation de l'enfant s'effectue-t-elle » Et le programme indique, je cite, « On mettra aussi en évidence les variations des processus de socialisation en fonction des milieux sociaux et du genre, en insistant plus particulièrement sur la construction sociale des rôles associés au sexe. » Le professeur donc de SES démontre aux élèves que la socialisation différenciée assigne les individus dans la vie adulte à des rôles masculins et féminins, et vous pouvez remarquer que le terme « genre » est employé dans le programme de SES alors qu'il est tabou en SVT, peut-être pour la raison que j'ai développée précédemment. Donc cette notion est assumée et acceptée dans le cadre des sciences sociales, mais pas dans le cadre des sciences expérimentales. Alors par ailleurs, au niveau d'une meilleure transmission, on pourrait souhaiter que les nouveaux enseignants soient tous sensibilisés donc à la notion de genre. Au niveau de la formation initiale des futurs enseignants du primaire et du secondaire à l'université, il n'y a pas donc de cadrage national. Et comme il n'y a pas de directive, aborder le genre dépendra donc de la sensibilité et donc de l'initiative des équipes éducatives de chaque université. Par exemple, actuellement, dans l'Académie de Créteil, dans le Master des métiers de l'enseignement, il y a une formation de 3 heures sur l'égalité filles-garçons et donc permettant d'aborder le genre. Toujours dans l'Académie de Créteil, une fois le concours passé, les stagiaires peuvent faire le choix de bénéficier d'une animation pédagogique de 6 heures, mais cela n'a pas un caractère obligatoire. Il y a donc des textes qui légitiment le fait d'aborder le genre, mais ce n'est pas pour autant une priorité. Merci beaucoup. Eric. Donc la question telle que je l'entends, c'est comment on fait pour que ça change? Et comment on fait pour que ça change, sachant que si on est en train de parler de rapport de domination, bah en général, la logique de la domination, c'est pas de se renverser tous les jours, sinon ça se saurait. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse, mais il y a des stratégies qu'on peut essayer de développer pour essayer de faire, non pas forcément la révolution, mais au moins que ce ne soit pas exactement pareil qu'avant. Dans mon expérience, le changement ne vient pas de l'université en tant qu'institution, mais ça vient plutôt des étudiants. C'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, l'effet générationnel, il peut être important. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas simplement des étudiants ou étudiantes qui travaillent dans le domaine du genre, mais d'un ensemble d'étudiantes et d'étudiants qui ne travaillent pas du tout dans ce domaine-là, mais simplement, quand même, quand on travaille sur le travail, quand on travaille sur la religion, quand on travaille sur n'importe quoi, il serait quand même pas mal de regarder un peu ce qu'il en est de ces histoires hommes-femmes, etc. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose d'important, c'est de considérer que ce n'est pas simplement pour les personnes qui s'intéressent au genre. En fait, l'idée n'est pas de dire « nous parlons pour les gens qui s'intéressent déjà à ce à quoi nous nous intéressons », mais de dire « nous parlons pour tout le monde ». C'est-à-dire que tout le monde a tort de ne pas inclure du genre dans ces problématiques. Ce que ça veut dire, me semble-t-il, c'est que la question, c'est donc comment fait-on pour corrompre la jeunesse ? Premièrement, il me semble que tous les arguments sur le trouble dans la norme sont importants parce que, au fond, ce qu'il vise à montrer, c'est que ne croyez pas que vous êtes à l'abri parce que vous vous dites « moi je suis normal ». En réalité, il n'y a pas de position normale qui aille de soi.
la perte d'évidence du monde dans lequel on est, c'est-à-dire, bien sûr, on sait bien que les femmes, c'est pas facile, bien sûr, on sait bien que les homosexuels, c'est pas facile, etc., etc., mais même les autres, vous savez, c'est pas marrant non plus. Donc, il me semble que là, il y a un point stratégique très important, c'est de ne pas donner l'impression que le trouble dans la norme, c'est juste pour ceux qui seraient hors norme, ceux qui seraient en dehors de la norme. Donc, ça me paraît une stratégie, ça n'est pas la seule possible. Une deuxième stratégie rhétorique, c'est l'arrogance. Normalement, l'arrogance n'est pas associée à la position minoritaire. Or, il me semble qu'il est important d'essayer de ne pas l'abandonner à la position majoritaire, parce que sinon, forcément, au fond, si on associe arrogance à majoritaire, eh ben, comme on verra des gens qui seront plutôt humbles, etc. Bon, donc, exemple, je préconise qu'il y ait une publicité très importante faite autour du fait que les gens n'arrivaient pas à entrer à 14 heures dans cette salle. Je pense qu'il est très important de ne pas s'en excuser, comme j'ai vu plusieurs personnes le faire, mais au contraire, de bomber le torse en disant « Vous avez vu, en revanche, les autres qui parlaient d'autre chose, vraiment, il n'y avait personne. » Bon, voilà. Donc, je préconise l'arrogance comme une stratégie, et pas comme un défaut de personnalité, mais comme une stratégie politique. Ensuite, je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est d'essayer de signifier que le domaine dans lequel nous sommes est un domaine désirable. Je pense qu'une des difficultés quand on travaille sur les rapports de domination, c'est qu'on parle du fait que c'est pas marrant. Et donc, je crois qu'il est très important de dire que certes, on parle de trucs qui sont pas marrants, mais que tant qu'à faire, on s'amuse mieux chez nous. C'est-à-dire qu'il me paraît important de signifier que intellectuellement, c'est quand même autrement plus intéressant que beaucoup d'autres champs où manifestement ça bouge pas beaucoup, et d'ailleurs ils font pas la queue à la porte, et il me semble que ça, il faut le signifier de manière importante, et entre autres se dire, encore une fois, que c'est pas simplement que on raconte des choses plus importantes, etc., mais tant qu'à faire, c'est plus amusant. Autrement dit, que le fait que nous proposions une vision critique du monde, c'est plutôt jouissif. Et je crois que nous avons intérêt à le signifier le plus possible. Dernier point pour terminer, la question de savoir si le genre est subversif. Le genre n'est pas subversif par nature. Selon les moments historiques, le genre peut fonctionner comme un outil normalisateur ou au contraire comme un outil critique. Donc savoir si le genre c'est subversif, eh ben, la réponse c'est que ça dépend de nous, ça dépend de ce qu'on en fera. Merci. Bien. Alors, pour moi, pour les questions de solutions et de propositions pour améliorer la donne, je pense bien entendu qu'il faut poursuivre la transmission via l'enseignement en articulant ces questions de genre à d'autres problématiques, hein, toujours dans l'idée de comprendre les processus de domination à l'œuvre et imaginer, hein, d'autres types de représentations et d'autres types de sociétés. Hein. Je pense que, en tout cas, les arts plastiques se prêtent à cet exercice. Bien entendu, dans les créations nouvelles, si on peut nourrir toutes ces créations de références passées qui traitent déjà de ces questions ancrées dans d'autres périodes socio-historiques, bien entendu, ça légitime un savoir et ça légitime le droit, hein, à aller plus loin. Donc ça, je pense que c'est un des axes. Hein. Donc enseigner cette histoire de l'art, mais pas seulement à des niveaux supérieurs, l'enseigner effectivement, hein, dès le collège, le lycée. Hein, il n'y a pas d'enseignement d'histoire de l'art, c'est donné à des professeurs qui peuvent être tout à fait intéressés, mais ce n'est pas une discipline enseignée à part entière. Donc les images et le rapport aux représentations visuelles, c'est quand même quelque chose de dominant dans nos sociétés, et il n'y a pas d'enseignement spécifique. Donc ça, je pense que ça peut être fait beaucoup plus tôt que l'après-bac. Ensuite, il y a eu des expériences qui ont été menées que je trouve intéressantes. Dans les années 70, hein, il y a eu des cas d'écoles, notamment en Californie du Sud, d'écoles féministes qui se sont mises en place, hein, à CalArts, notamment avec un Feminist Art Programme qui prenait en compte toutes les strates de valorisation, hein, depuis la formation jusqu'aux expositions, aux écrits, hein, et tout ce qui tournait autour des œuvres d'art. Et c'était une formation très intense qui permettait qu'on comprenne, en tout cas les étudiantes majoritairement, hein, il y avait des étudiants, mais surtout des étudiants, hein, qui participaient à cette formation, hein, comprenaient toutes les strates, hein, du parcours quand on est artiste dans une société, et donc ça inclut également la manière dont les œuvres sont montrées et dont on veut qu'elles soient montrées. Et je pense qu'il y a des choses à reprendre, hein, dans ces expériences-là pour ouvrir par contre à d'autres réflexions, hein, qui ont eu lieu depuis ce moment-là, en articulant les questions de genre à d'autres problématiques, hein, toutes les
problématiques issues du champ queer notamment. Et je pense que cette compréhension de l'entièreté de la société, de la manière dont ça fonctionne dans toutes les strates, hein, avec une compréhension des idéologies en vigueur, hein, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être inséré, hein, et ça participe pour moi d'une compréhension du monde. Hein, alors que je suis d'accord quand Éric Fassin parlait de quelque chose d'amusant ou en tout cas de jouissif, je pense qu'il y a vraiment un grand intérêt pour comprendre ce qui se passe et comment on se situe, hein, dans le monde contemporain, en tout cas via l'histoire de l'art. Et je crois que effectivement mes étudiantes et mes étudiants apprécient, hein, qu'on puisse discuter et qu'il puisse y avoir comme ça des discussions plus ouvertes via notamment les questions de genre. Et puis le dernier point, c'est la mise à disposition auprès de publics beaucoup plus larges, ce qui peut être effectif donc via des expositions, des textes, des publications, des conférences avec une visibilité et donc un ancrage pour diffuser des modèles, hein, et diffuser des réflexions. Il me semble que ce n'est jamais gagné, hein, qu'il faut absolument rendre visible des modèles différents, hein, pour qu'on puisse aussi y avoir des processus identitaires qui se fassent, hein, via les œuvres d'art. Et je pense que cette diffusion-là, pour moi, peut se faire aussi par l'infiltration de toute une série de publications. Alors, quand on pense aux manuels scolaires, notamment, il peut y avoir diffusion via des manuels scolaires de toute une série d'œuvres contemporaines qui diffusent autre chose, hein, que des stéréotypes sexués tels qu'on peut les voir, à grand renfort dans nos images habituelles. Également, je pense qu'il doit y avoir dans les choses qu'on peut mener un soutien aux jeunes générations. Hein, il me semble que notamment dans les écoles d'art, mais c'est aussi, je pense, le cas dans d'autres champs, le fait qu'on légitime, hein, les questionnements, que ça soit tout à fait accepté et que ça vienne aussi avec moi, ce que j'apprécie, c'est que ce soit des questionnements qui soient pas forcément les miens, hein, puisque je ne suis pas du tout de la même génération que mes étudiantes et mes étudiants. Donc, mais l'idée de légitimer ce qui est en train de se produire, de les questionner avec mes propres connaissances, hein, ça je crois que dans les écoles d'art et notamment pour les filles, quand il y a des questions qui surgissent, qui sont encore des questions de féministes ou de genre, qu'elles n'ont pas beaucoup travaillé parce qu'elles n'ont pas eu d'interlocuteur ou d'interlocutrice, hein, je pense que là il y a vraiment un véritable apprentissage, hein, qui peut se faire et qui doit être encouragé au sein en tout cas des interactions qu'on peut avoir avec ces personnes en formation. Et puis pour conclure sur ces pistes de solutions, il me semble quand même que l'histoire de l'art est vraiment pour moi un outil de compréhension du monde, hein, qui mêle autant le réel et l'imaginaire, et que pour les questions de genre, c'est aussi un excellent support parce qu'il y a quelque chose d'assez immédiat qui se passe face aux œuvres, même si ensuite il faut décrypter ensemble et approfondir, hein, pour comprendre réellement les enjeux et la manière dont ça fonctionne dans les représentations. Donc voilà, c'est en tout cas une peut-être une plaidoirie pour ma pour mon champ, mais je pense que c'est ça serait utile que ça soit beaucoup plus enseigné et en tout cas de manière plus large. Merci beaucoup. Nicole. Alors une seule solution, pas celle que vous croyez, mais en tout cas faire circuler, on a vraiment un potentiel avec les œuvres féministes notamment des années 70, c'est-à-dire toute la vidéo qui a été produite et son humour. Et c'est quelque chose qui marche formidablement bien dans n'importe quelle génération, c'est-à-dire que vous pouvez montrer ça à des gens qui ont 12 ans comme à des gens qui ont 80 ans ou 60. Et le rire permet aussi, donc il y a, vous savez, tous ces détournements du vocabulaire, de situation, les détournements d'émissions de télévision, qui ont été beaucoup pratiqués dans les années 70 et qu'on utilise, y compris par exemple sur un sujet qui peut paraître grave, ennuyeux et qui souvent fait, des polémiques très fortes comme la prostitution. Moi, je travaille aussi avec ces objets-là, avec les élèves. Donc c'est aussi par... on disait que bon, c'est toujours bateau de dire la génération de l'image, blablabla, alors que le cinéma est né en 1895, quand même, je le rappelle. Donc c'est pas vraiment nouveau. Mais en fait, cette génération qu'on appelle les pauvres de l'image ou du pouce, ils sont justement effectivement baignés là-dedans toute la journée. Et je pense que c'est un des moyens, puisqu'on parlait de jouissance, je trouvais que c'était un très beau mot, pour travailler et discuter de choses qui peuvent paraître rébarbatives comme le genre,
Donc par le biais de l'audiovisuel, je pense que, et par le biais du cinéma, et y compris par des choses qu'on peut aussi déconstruire, comme la publicité dont je parlais tout à l'heure, il y a des choses quand même qui sont drôles dans la publicité, elles sont tellement énormes qu'elles nous font rire, et c'est par ce biais-là qu'on peut, avec des gens, je vous dis, de toute génération, travailler ces notions de genre. Donc je pense que c'est là, cette transmission, elle peut se faire aussi de cette façon-là. Donc diffusion de tous ces films. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est qu'on rentre évidemment dans plus de complexité et pas du tout dans les notions de différence, parce que je rejoindrais ce qu'Éric disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toujours ces trucs qu'on nous assène de ces différences et différents, parce que la norme, c'est l'hétérosexualité, l'homme moyen, blanc, etc. Non, montrant justement que c'est une multitude de positions, d'attitudes et de vécus différentes, plus que des... qui sont vécus plus que des gens qu'on va pointer comme étant en dehors d'un champ qui serait celui de la norme générale. L'autre chose sur laquelle on peut s'appuyer peut-être pour faire bouger les choses, c'est sur des choses très rébarbatives qui sont les circulaires de l'éducation nationale, mais puisqu'elles existent, autant s'en emparer. Donc il y a tout un blablabla sur l'égalité filles-garçons qu'on doit transmettre et tout. Alors tous les établissements scolaires de France l'ont reçu. Et donc je pense que ça peut servir pour les enseignants qui auraient des craintes à parler de genre dans leur classe, à dire voilà, ben, on applique la circulaire de notre cher ministère de l'Éducation nationale. Et on fait appel à des associations comme le Centre Simone Weil qui est agréé par l'Éducation nationale et par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de je sais plus trop quoi parce qu'il a un nom à rallonge. Et donc ça permet d'intervenir dans le milieu scolaire mais aussi hors du milieu scolaire qu'on oublie souvent, c'est-à-dire le temps où les enfants ne sont pas dans un encadrement entre quatre murs avec des enseignants mais où ils sont dans des centres aérés ou dans des autres activités. Ou là aussi, par exemple, dans des activités sportives, on peut tout à fait parler de genre, ça marche très bien. Avec de toute façon le sport tel qu'il est, on en a parlé tout à l'heure, tel qu'il est ségrégué en fait entre filles et garçons, là il y a un champ aussi d'intervention possible. Et alors sur la notion de subversion, je pense qu'effectivement c'est pas la notion de genre elle-même qui est subversive, c'est nous qui sommes subversives et subversifs dans la façon dont on va travailler cette notion-là. Et c'est pas parce qu'on parle de genre ou de queer, parce qu'il y a aussi toute cette ambiguïté par rapport au terme de queer qui maintenant est employé, mais vraiment, je sais pas, pour n'importe quoi. Alors on a, il y a toute une terminologie comme ça. Je pense à une exposition. On a parlé de elle au Centre Pompidou. Moi, je plaiderais en la faveur de genre d'expo parce qu'on a fait sortir des réserves, des œuvres de femmes qui n'étaient pas vues. Donc peu importe qu'effectivement on n'ait pas été jusqu'au bout, mais en tout cas ça a fait un mouvement, ça a généré donc une visibilité pour ces œuvres. Mais je pense aussi à Pompidou qui a fait une exposition qui s'appelle Vidéo Vintage. Alors voilà, alors il y avait la vidéo vintage queer, la vidéo vintage et le genre. Donc tant pis, bon, les terminologies sont qu'elles sont, mais profitons-en pour faire sortir justement toutes ces œuvres. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion, mais je ne sais pas si c'est encore actuel cette exposition, de voir justement ces détournements féministes des années 70 et de se rendre compte qu'on peut tout à fait les réutiliser maintenant en 2012. Et je crois que... Ah oui, et alors l'autre point important, évidemment, on parle toujours des enfants qu'il faut former ou déformer, comme on le disait, mais on oublie qu'en fait, les adultes, alors là-dedans, bah oui, les enseignants, par exemple, dans leur formation, ça devrait être tout à fait inclus. Alors nous, on fait quand même appel à nous, des rectorats nous demandent est-ce que vous pourriez pas venir faire une petite intervention sur les stéréotypes de genre, là, parce qu'on a des enseignants en formation. Donc c'est une petite heure, mais en fait, ça mériterait des interventions sur toutes les matières, en fait, et sur tout l'enseignement qui leur est donné. Alors comme je crois qu'on va rétablir quand même la formation pour les enseignants, enfin, il me semble que c'est dans les projets gouvernementaux. Bon, voilà. Alors peut-être que à ce moment-là, avant qu'ils n'entrent, qu'ils se confrontent à des classes, justement, de travailler avec eux sur ces notions-là.